Mais je revois ce fou encore une fois, je l'embauche. Tout de suite. Ce genre de personne, vampire ou pas, m'insupporte au plus haut point. Je préfère encore le comportement du prince à ce genre d'énergumène. Détrompez-vous d'informations, une arme, comme il a dit. Et il en a, de fait. Peut-être est-ce. Se joue-t-il de nous, mais il a dit que. Il a dit que l'origine du mal qui sévit dans le trou est ici. Mal qui Cela veut sévit dire. ici est à l'origine de celui-là dans la forêt ou l'inverse, Oui. le trou dans la forêt. Le trou, c'est la grotte, et le mal dans le trou, c'est les lupins. Donc, ce culte serait à l'origine des lupins. En tout cas, des lupins de la région, je ne sais pas. Mais je trouve ça extrêmement étonnant. Et oui, ce lupin à la barbe blanche, c'est pas la première fois que qu'on m'en parle ou que je le vois. J'ai déjà vu sa représentation tout à l'heure dans les sous-sols de la chapelle. Est-ce qu'on s'y connaît en lupin? Moi, très peu, hein. Le peu que je sais, c'est ce que Eric m'en a dit, hein. Ils sont en tribu. Pour eux, les tribus, c'est comme les clans des vampires. Tu sais, Klaus, que la tribu dominante de la région, ce sont les seigneurs de l'ombre qui viennent. Qui viennent des Carpates et de Transylvanie. Tu sais que qu'ils ont été divisés par Eric pour les tenir à distance et que au sein même de leur attroupement, de leur tribu, il y a des meutes, voilà, avec toujours un mâle prédominant. Mal alpha. Ce mâle alpha serait-il caractérisé par un collier Ce blanc? collier blanc. Je pense. Mais bon, il doit être au milieu de des meutes. Je ne pense pas qu'on puisse y aller dire bonjour au lupin et bonjour, nous voudrions voir votre chef, le grand, celui-là, avec un collier blanc autour de la gueule, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ça marche. Non, je ne pense pas non plus. Sachant qu'un loup avec un collier, enfin, collier de poils blancs, Alors quelques-uns. non, enfin, c'est relativement, enfin, il est entièrement noir avec un collier de poils blancs. Bien sûr, vous deux, vous en avez vu. Hein. On a vu le même alors. Je l'ai même vu de près. Allez-vous rester longtemps dans ce manoir? D'après vous, si je n'honorerait pas de ma présence le manoir, comment le prendrait le prince? Il prendrait ça pas comme un refus de son cadeau? Peut-être bien avait-il une idée derrière la tête, comme l'a dit le fou du roi. Peut-être je. Pour l'instant, je vais rester là, essayer de retaper, et si je peux retourner dans cette chapelle maudite et donner une sépulture décente à ces pauvres hères qui sont là-dessous. Au moins les enterrer dignement. Ouf, à votre Sans. place, je ne me donnerais pas cette peine. C'est important pour moi, au moins pour les enfants. Et vous me dites encore que ces rites catholiques n'ont plus de sens pour vous. Non, Mais c'est les paroles qui n'ont plus de sens. Les valeurs, elles en ont. les valeurs, mais ce rituel n'est que la représentation d'une croyance dont vous ne faites plus partie, j'ai l'impression. Non, je ne pense pas. Puis ce n'est pas pour moi que je fais ça. C'est pour eux.
Je pense qu'ils auraient voulu, et eux ne faisaient pas partie de notre famille. Hennissement. Mon cheval. Deuxième hennissement. Je suis Anton, bien sûr. On ne sait jamais avec cette soirée pleine de surprises. Vous sortez du manoir. Vous voyez que les. Klaus, tu vois donc tes deux destriers qui sont en train de tirer sur leur bride, qui lâchent littéralement. Apparemment, ils ont une force décuplée. Ouais. Ils sont très nerveux. Anton, tu vois que Oscar est en train d'avoir toutes les peines du monde à tenir le cheval du carrosse. Et vous entendez un cri, quoi, un hurlement. Et là, grand calme. Si vous tenez à la vie, quoi qu'il en soit, je vous déconseille de résider dans ce manoir. Vous pensez à ce point-là? C'est votre choix, hein. Il y a une forme qui se dessine derrière le mur d'enceinte, où il y a des brèches et des trous. Une forme assez volumineuse. Oh, fuck. Vous voyez une énorme main poilue et griffue au-dessus du mur d'enceinte, qui se saisit d'une des pierres du mur d'enceinte au-dessus, qui la soulève. Moi, je ni une ni deux, quand je fais ça. Et elle vient s'écraser juste entre vous deux. Elle éclate la porte qui était juste derrière vous. La porte du manoir. Ouais. Anton. Il y a une autre sortie sur la cour. Alors, en gros, le domaine est circulaire, le mur d'enceinte est circulaire. C'est un mur d'enceinte qui est à moitié effondré, avec des trous et des brèches. Okay. Le manoir est au centre. Anton, à votre place. À peu près 200 mètres entre le manoir et... Je dirais à votre cocher de libérer le cheval et de partir sur le cheval. Prenez l'un des miens. Je pense que vous avez raison. Rester ici est une mauvaise idée. Tant pis pour les cadavres. Ils sont déjà morts. Pas moi. Enfin. Pierre. J'ai pris. Là, c'est sur l'arrière un de mon morceau cheval. D'éclate sur le. Sur à votre côté. Pardon? J'ai pris Oscar sur l'arrière de mon cheval et je prends la fuite. Je fais part. Je monte sur l'un des chevaux et puis je siffle l'autre pour qu'il me suive. D'accord. Rester ici est une mauvaise idée. Anton avait raison. Vous montez, toi dans ton carrosse. Oscar, il est un peu surpassé par tout ça. T'es monté sur un de tes chevaux. L'autre te suit. Prenez une direction pour sortir. Je vais dire Anton, suivre. On va au domaine Sabrovitch. C'est le plus près pour être en sécurité. Anton, tu entends maître. Tu vois Oscar qui pointe une direction et tu vois d'un bond ce fameux loup-garou noir énorme qui bondit sur le mur d'enceinte, qui se pose dessus. Il a des morceaux de pierre dans les mains et tu le vois qui l'élève et qui les jette vers vous. Et les projectiles vont dans votre direction. Ah, il fait nuit, il a du mal à viser. Alors, ça fait deux succès. Ton cheval Anton vient d'être percuté par une des pierres et il s'effondre sur le côté, quoi. Et il a poussé un hennissement de douleur, le carrosse bascule. Et vous faites un ou deux tonneaux. Bien sûr, Klaus, t'as entendu ça. Je sais pas si j'étais devant, à côté, tout ça, mais je... C'est plus rapide, donc t'étais devant.
Je vais, bah, j'entends ça, je fais immédiatement demi-tour, mes chevaux, bah, cheval où je suis pas dessus me bascule naturellement. Je vais à côté, je descends du cheval et je gueule à Anton de se réveiller. T'entends clairement le halètement du lupin qui se propulse vers vous là. La particularité c'est que il va pas en ligne droite sur vous, excusez-moi, hein. Il marche sur le mur d'enceinte. Enfin il court sur le mur d'enceinte. Donc il fait une boucle en fait. Il aurait pu aller tout droit mais il le fait pas. Ah ouais, c'est pour instaurer sa supériorité qu'il fait ça. Mais bon, là je pense pas à ça, qu'il fasse son tour sur son truc, qu'il fasse un chapiteau, je sais pas. Bon, Anton, t'as dit, tu sais. Donc, je lance Oscar sur le deuxième cheval, celui de Klaus, et je me mets en occultation. Donc, présence invisible. Présence invisible, ouais. Si tu veux, tu peux relancer tes 10. Hein. Ouais. Si tu veux. Ah, je vais pas dire non, hein. Oh non, bon, c'est pour... Sachant que si tu fais 1 sur ta relance, c'est pas considéré comme un 1. Ça okay. Va pas annuler... Succès. Okay. Donc, Klaus, toi, tu fais quoi? Tu vois que Oscar monte sur ton deuxième destrier. Et qui balance Oscar sur le dos, c'est ça? Ouais, Oscar, il monte... voilà. Ouais, bah je... Tu vois donc aux chevaux, il disparaît. Je suis surpris, mais je me fais tant pis, pas le temps de discuter, c'est pas le moment pour ça. Et je vais, grâce à les murmures sauvages, de dire aux chevaux en fait de courir comme ils ont jamais couru, quoi. Donc, tu fuis avec Oscar, c'est ça? Oui, je fuis avec... enfin, Oscar et avec Anton sur le cheval, je pense, c'est ça? Non, Anton est resté derrière, il a disparu. D'accord, bah, je dis à... Je fais signe à Oscar, de toute façon, Oscar est au courant de notre nature, quoi. Donc, je dis à Oscar de nous suivre, de toute façon que Anton est invisible et qu'il sait ce qu'il fait et qu'il est grand. D'accord. Alors, parce que s'ils voulaient monter sur le cheval, Anton l'aurait fait. Ils auraient pu être à deux sur le cheval. C'est pas ça qui. Si Anton a fait ça, c'est qu'il est grand. Il sait se défendre. Il a un plan. Car Oscar, il se cramponne au destrier. Il fouette sa croupe, mais il maîtrise pas trop la direction. Mais au moins, il galope. Ah, t'as assez de dés. Ouais, j'avais oublié la commande, c'est pour ça. Très rapidement, t'arrives à son niveau, tu peux même prendre la bride et continuer de galoper, mais ça serait un petit peu dangereux, hein, mais toi, tu maîtrises parfaitement ta monture. Anton ? Oui. Donc, t'as jeté Oscar, t'as disparu, il s'éloigne. Le loup-garou continue d'avancer sur le muret. Qu'est-ce que tu fais? Je... Bien sûr, t'as disparu. Ouais. Je me mets dans le sens du vent, de manière à ce qu'il me sente pas. Et j'attends d'observer... Enfin, je l'observe, en fait. J'aimerais savoir s'il course close, ou s'il va entrer à l'intérieur de la maison... Tu es à, on va dire, à 5 mètres du portail du mur d'enceinte. Donc, bien évidemment, Klaus et Oscar sont déjà passés par là. Toi, tu es là. Et tu vois le lupin qui fait un grand saut, qui atterrit là où il y a l'entrée du mur d'enceinte, sur le portail. Enfin, il atterrit au sol, au niveau du portail. Il se retourne vers toi. Tu vois pas ses yeux qui se braquent sur toi, mais il regarde dans ta direction. Donc il est gigantesque, il fait 3 mètres, ses griffes sont énormes, il est recouvert de poils, il sent le musc, collier de poils blancs. Il prend sa respiration et il pousse un hurlement en ouvrant grand sa gueule, sa mâchoire.
Tu peux sentir son haleine, il donne un coup de griffe sur le sol et il va à la poursuite des chevaux. Je sais pas, retourne en ville, et... je sais pas. Alors, tu vas dans quelle direction, Klaus? J'ai dit aux chevaux, c'est d'aller au domaine Sabrovitch, c'est le seul endroit. Enfin, soit en ville, soit dans le domaine Sabrovitch, celui-là qui est le plus près. Alors, le plus près, c'est le domaine Sabrovitch. Soit tu suis la route, soit tu coupes à travers la forêt. Évidemment, couper à travers la forêt, ouais, c'est raison, plus rapide, mais c'est plus dangereux. Je vais couper à travers le territoire des ennemis, ouais. Non, je vais quand même... Puis, sans parler, imaginons qu'il n'y ait pas les potentiellement des potes au monsieur derrière. Il y a des cailloux, il y a des racines, il y a des branches. Non, c'est... Je vais préférer rester sur le chemin. Il est balisé. Il n'y aura pas de branches, il n'y aura pas de racines. Et puis, même s'il y a deux petits trois cailloux, c'est pas des cailloux qui vont faire trébucher mon cheval. Quoi. Enfin, je pense pas. D'accord. Le chemin. Vous galopez dessus. C'est de la terre battue, c'est pas des routes pavées, ça va. Tu entends l'allaitement du lupin qui se rapproche de plus en plus. Anton, t'as bien vu que donc il prenait la direction du chemin et qu'il coupait pas à travers la forêt. Et tu peux voir le lupin qui est ventre à terre, hein, qui court à une vitesse folle. Quand je dis folle, c'est qu'il va très vite. S'il a un obstacle, il saute au-dessus. Il fait des bonds de je sais pas combien de mètres. Donc je vois bien, j'imagine, la direction qu'il a pris, le château Sabrovitch. Ouais. Je m'y rends. Je m'y rends aussi vite. Est-ce que tu prends la route ou est-ce que tu coupes à travers la forêt? Par la forêt. Non, je prends la route. Ah mais personne n'aime ta forêt, je te ferai remarquer. Hein. Je prends la route. Elle doit sentir mauvais ta forêt, hein. Et je reste en occultation pour ça. Ouais, donc tu vas pas très très vite alors. Si tu restes en occultation. Parce que. Ouais, c'est juste. Parce que tu peux pas faire de trop grands mouvements brusques. Ouais. Y en a pour plusieurs heures de route ou. Non. À cheval, il y en a pour à peine 5 minutes. À pied, pour 10. En courant. Ok, bah alors je fais ça en occultation, oui. En fait, tu trottines, quoi. Alors, Oscar est à la traîne. T'as jamais vu tes chevaux courir aussi vite. En plus, t'as l'impression que... ouais, bah c'est le cas, hein. Ils sont en pleine forme. Le poids qu'il y a dessus sur eux, c'est comme s'il n'y avait rien, hein. Ils obéissent très bien aux autres. En plus, je pense que j'ai laissé quelques trucs à la ouais, au domaine Sabrovitch. T'avais pas tout amené, y a pas de soucis. Hein. Oui, ils sont encore plus légers qu'habituellement. Quoi. Mais un petit coup d'œil en arrière, il gagne du terrain le lupin là. Je fais signe à Oscar et au cheval de t'accélérer. Je me mets entre eux et le lupin. J'ai pas encore fait appel à mes pouvoirs et j'ai pas envie de faire appel à mes pouvoirs dans une situation un peu de stress, quoi. Faudrait que je m'entraîne aussi à utiliser mes pouvoirs plus tard. Je sors mon épée jamais lâchée et tu sauf une fois et je dégaine mon épée et si le en plus j'aurai une meilleure m'allonge avec l'épée que est-ce que tu as un regard en arrière? Je regarde en arrière, oui, bien sûr. Il est plus là. Je jette un coup d'œil tout aux alentours, un peu sur le bas-côté, dans les forêts, un peu plus haut, peut-être dans les arbres. Ouais, dans les arbres. Tu le vois, sa silhouette qui s'agrandit de plus en plus et qui va s'abattre. Il a effectivement pris appui sur les arbres. Je me tiens prêt à me sauter sur moi, du coup, hein. 4. Sacrifie Oscar. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu le vois qui s'abat sur juste à côté de ton second cheval et qu'il a pris Oscar en même temps, quoi.
Oscar, il a été pris à la volée, il lui est tombé quasiment dessus, et tu vois qu'il a enfoncé la moitié du corps d'Oscar dans le sol, ce qui soulève un gros tas de terre. Le cheval qui était la monture d'Oscar fait une embardée sur le côté mais ne s'arrête pas. Il continue à tracer, ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que... Il est devant toi, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sautes au-dessus, tu lui donnes un coup, tu t'arrêtes, tu fais quoi? Est-ce que ça a l'air d'être le loup-garou que j'ai croisé Il est noir avec un grand collier blanc. Qu'est-ce que tu fais? T'as 3 secondes, sinon c'est moi qui décide. Ok, est-ce que je peux estimer si Oscar est toujours en vie ou pas? 3 secondes, donc tu fais quoi? En passant, j'essaye de lui mettre un grand coup dans l'arrière du crâne ou quelque chose comme ça en passant. À ses côtés. Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle une action multiple. Tu as un pool de dés, d'accord? Vas-y, explique. C'est ta dex plus conduite que tu vas utiliser. Mais, il y a mêlée aussi avec. Donc, tu vas prendre ton score le plus bas entre conduite et mêlée. Conduite et mêlée. Ça fait combien de dés? Alors, conduite, j'ai 3 et mêlée. Bah, j'ai 3 aussi. Donc, dex plus 3, ça te fait combien? Ça fait 6. Donc tu as un total de 6 dés pour faire 2 actions. Tu peux utiliser 2 dés pour maintenir ton cheval et utiliser 4 dés pour lui donner un coup, ou l'inverse, c'est toi qui vois. T'as 6 dés, t'en fais quoi? En fait, tu répartis le nombre de dés que tu veux là. Ok. Non, je vais faire 3-3. 3-3. Ouais. Alors, tu veux t'assurer, enfin tu veux commencer par quoi? Le coup ou la conduite? Ça me fait de la peine pour Oscar. c'est de la peine pour Oscar, hein. Mais je vais d'abord, je vais essayer quand même de m'assurer de pouvoir m'enfuir. Même si franchement, si c'était un loup-garou noir basique, genre un gamin qui a envie de s'amuser, je serais descendu. Mais celui-là, je pense le connaître. Et je sais très bien que, vu ma situation, il m'emplafonnerait en un coup de cuir, quoi. Alors fais-moi un jet de conduite déjà, pour l'équitation. Donc t'as dit 3D. Ouais. Oula. Aïe. Paf. Mauvais ça. Fais-moi ah ouais, 3D ça pour le coup. J'ai d'attaque. T'as un succès. T'as un succès. Alors par contre lui donc il a fait son truc, il a pas moyen de se défendre. Donc tu vas faire les dégâts de ton arme, plus ta force. Donc un succès supplémentaire. Épée, c'est dégâts 4. Donc force, plus 4 dés, plus 1 parce que t'as fait un succès. Oh là là, mais c'est... Pas fameux du tout, comment dire. Ouais, c'est... C'est pas fameux ça, hein. En gros, c'est la difficulté de 6, hein, donc là, ça fait, là c'est annulé. C'est même un échec critique, mais il n'y a pas d'échec critique sur les dégâts, heureusement. T'as de la chance. Au pire, je lui fais un petit rasage, tu sais, je lui éclaircis un peu la barbe. c'est ridicule. Alors, ça s'annule, ça s'annule, j'ai fait quand même un truc. Ouais. Donc, ton épée tape dessus, mais sur le plat. Et en plus de ça, t'as fait une mauvaise embardée avec ton cheval. Je te laisse le choix. Est-ce que tu tombes de cheval? Ou est-ce que ton cheval s'en prend plein la tronche? Non, ça va, le cheval il pourra pas se défendre, on sait jamais, je le laisse, je descends à terre et puis... Donc, tu lâches la bride, ton cheval, ouais. Et tu t'effondres un peu sur le sol, tu fais quelques roulades, ta cape s'est enroulée un petit peu autour de toi, tu mets un genou à terre, il y a un peu de terre et de fumée, de poussière qui est élevée, et tu vois cette masse qui est à 5 mètres de toi, qui redresse son bras énorme qui était dans le sol, qui a fait littéralement un cratère, et tu vois que c'est tout sanguinolent là. Et tu vois une oreille qui tombe. Et il te regarde. Et il prend appui.
Il se met à quatre pattes en position. Dès il commence à se recroqueviller. Qu'est-ce que tu fais? Bah alors, comment on se retrouve? T'as raté ton coup la dernière fois. Allez, vas-y, réessaye pour voir si tu y arrives cette fois. Ah, t'essaies de le taunter. Alors, tellement le bluff, quoi. S'il y avait bluff, là, faudrait que je balance un dé avec une difficulté 14, quoi. Alors, ça te fait 3D. Alors, attention. Sachez que sur vos jets de dés, vous avez le droit de dépenser un point de volonté pour avoir un succès automatique. Là, l'action que tu viens de faire, t'as 3D. Mais parce que c'est... C'est charisme plus intimidation ou commandement. Donc ça te fait 3D. Mais c'est pas une obligation pour le point de volonté. Hein, c'est... Mais faut me le dire avant le jet de départ. Ouais, je pense, je vais essayer d'assurer le coup, j'avoue. Je vais essayer, ouais, je vais en craquer. Hein, ouais. Ok. Donc sache que ça va avoir une répercussion sur la suite. Bien sûr. Vas-y, jette tes 3D. 4 du coup, non? Non, ça te rajoute pas un dé, ça te rajoute donne un succès automatique. Ouais, c'est encore mieux. Ouais, c'est clair, je confirme. Tu peux rejeter le 10 si tu le souhaites, bien sûr. De toute façon, je perds pas, comme de toute façon tu l'as dit tout à l'heure. Ok. Tu peux rejeter le 10 si tu le souhaites, bien sûr. Bon, je pouvais pas faire ça plus tôt. Ah, mais. Alors, 1, 2, 3 succès. Tu l'as invectivé. Tu regardes avec des yeux encore plus haineux. Et il a pas pris complètement son élan, il agit tout de suite, il fonce sur toi, tête baissée, en bavant, et en sortant la langue. Donc il a pas bien préparé son attaque. Est-ce que tu... Ton idée là c'est quoi? Il me fonce vers moi. Ouais. J'esquive et j'essaye de profiter de son élan pour lui donner un coup, quoi. De toute façon, à pied, je le battrai pas à la course, donc j'ai pas le choix. Maintenant que je suis là, de toute façon, je dois l'affronter. Donc tu veux l'esquiver et le taillader en même temps. Donc c'est aussi une action combinée. Hein. Je vais juste d'abord l'esquiver, et ensuite, selon où il est, comment je suis, je vais juste l'esquiver. D'accord. Juste esquiver son coup. Et puis, je vais essayer. Si vraiment je sens que je fatigue trop, mais pour l'instant, là, ce coup-là, je vais l'esquiver. Ok, donc il te fonce dessus, tu fais ton jet d'esquive, dex athlétisme. Un, 2, 3, 4. Alors, j'ai fait 4 succès, mais j'ai un 10. Alors, 4, 5 succès. Toi, t'as fait... Ah, là, ça sent mauvais. Ah, ouais, là, ça sent. Hein. Donc, 5, 4, 3... donc ça fait 3 succès d'écart. Ah, ouh, ça pue là. Ah, ouais, ça pue. Hein, ça pue. Hein. Mais moi alors... j'aime bien lancer des dés, donc ça me dérange pas. Même si ça pue. 4. Ah, il va monter un petit peu. Alors, les dégâts que font un loup-garou, ce sont des dégâts aggravés. Voilà, donc les dégâts passent les armures, la vigueur. En gros, on peut pas encaisser, sauf si on a force d'âme. Ça tombe bien. Tu as force d'âme. Oui. D'accord. Bon, mais donc, pense qu'il y a quand même un prix à payer ou quelque chose comme ça, non? Donc là, moi, je vais jeter mes dégâts. Chaque succès va t'infliger un niveau de santé. Si je t'inflige le maximum de tes niveaux de santé, c'est la mort. Ultime. Les santé qui se trouve où il y a. Alors, la santé. Les niveaux de santé, c'est, ouais, c'est légère, en bas. Moyenne, tout ça. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je t'inflige plus de 7 en aggravé, tu meurs. Ok. Mais par contre, force d'âme te permet de jeter autant de dés que tu as en force d'âme pour m'enlever des succès à moi. D'accord. D'où l'utilisation également de volonté aussi. Hein, n'oublie pas. Moi, là, tout de suite, je vais faire les dégâts. Oh, sérieux.
Simon. Ah mais sérieusement quoi. Ah mais c'est bon, reroll personne. 4, 5. 5 de base, on sent que tu peux en relancer 4. Oh la vache. Ah mais c'est bon, mon perso il va mourir. 5. Dommage, mon perso il était cool, j'aimais bien. 6, t'as de la chance. Non, puisqu'il y a un 1. Non, mais sur la relance, il n'enlève pas. Bien, de... pas. Ils annulent pas les. Et moi, bah, j'ai vu que j'ai le. C'est niveau 2 de force de dame. Donc je balance 2 des 10, c'est ça. Non, t'as 2 dés. Mais alors, attention, je te conseille, maintenant tu fais ce que tu veux. Hein. Oui. Utiliser un point de volonté. Encore un. Moi, tu fais ce que tu veux, mais je te le conseille. Tout ce que t'as, crame-le maintenant. Il t'en reste 4, mais les 4. Des points de sang, balance-les, balance-toi. J'avoue, balance les points de sang, balance les points de volonté, les points de tout, tout ce que t'as, tu lances. Tes points d'intelligence aussi, tu crames, allez hop. L'intelligence, pas grave, tu sais plus parler, c'est pas grave. Donc, ouais, sinon, à part donc volonté d'âme, qui est logique, je peux juste cramer un point de volonté. C'est voilà, donc ça te fait 2 dés et t'auras un succès automatique. Et là, t'as mis combien là, déjà 6, c'est ça? Je te fais 6 aggravés, ouais, c'est. Ouais. Ah, j'en ai déjà cramé un point de volonté. Ah, ouais, mais je te conseille de quand même en cramer un là, hein. Ouais. Ah, ouais, ouais, clairement, ouais. Bah, allez, parce, allez, que, okay. Parce que, autant un vampire, si ça se prend une balle dans la tête, ça se remet très bien. Mais des dégâts gravés, tu vas torse. Donc, tu, allez, allez. Tu risques de ramper. Ouais, parce qu'en plus, là, si vraiment, là, il me remet un autre coup comme ça, c'est bon, quoi. Je meurs sur place, quoi. Mais bon, les points, tout ça, je peux. Tu m'as dit que ça monte, ça descend, c'est selon la partie, quoi. Donc, voilà, bah, ça m'en. J'en ai plus que 3, du coup, je valide. J'en ai plus que 3 sur les 5 de base. Mais bon, j'en crame un autre. Ouais, parce que là, j'avoue, on peut pas déconner. Là, c'est pas. En plus, c'est pas comme si j'avais d'autres mecs autour de moi, tout ça. Allez. Donc, un succès plus un autre de la volonté. Donc ça fait 4. Donc, 4 aggravés, ça va faire bobo. Donc, sur ta fiche de personnage, au niveau donc, de ta santé, 1, 2, 3, 4, tu es dans blessure grave. Ouais, c'est ça que j'avais compté. Et c'est avec un clac, ce symbole là. Donc à tous tes jets, t'auras moins 2 dés. Oh, d'accord. D'office. D'accord. Au bout du chemin, Anton, tu vois la silhouette, donc de dos, hein, la silhouette du lupin qui vient de se propulser contre Klaus et il vient de l'éventrer. Tu vois des sa cotte de maille qui vient de voler en éclats. Ah oui, là, je pense que l'armure, là, je peux la mettre à la benne. Hein. Il a fait un tour sur lui-même, il a son épée en main. Le lupin l'a dépassé. Tu vois une gerbe de sang noirâtre qui s'élève comme une brume rouge, un peu noire. Et donc, tu es au bout du chemin. Est-ce que tu fais quelque chose? Toi, tu as une trentaine de mètres d'eux. Ce qui est beaucoup. Alors, j'aurais bien voulu, mais je suis vraiment pas un combattant. Et vu comment Klaus, qui m'a l'air d'être quand même un guerrier combattant, qui a fait les croisades, qui en plus est un vampire gangrel, se fait complètement exploser par lui. Enfin, en tout cas, se fait bien. Je pense que je fais de loin pas le. Donc je ne vais rien tenter de direct sur lui. Par contre, je tenterai bien une diversion. Mais ça risque d'être dangereux. De toute façon, je peux rien, moi, on va dire que je suis légèrement occupé, donc... Alors, ta diversion? Fais-moi une proposition. Je vais couper un arbre. Je vais couper un arbre, j'attends qu'il tombe. Écoute, je vais prendre un. Je vais m'approcher suffisamment près pour pouvoir lancer un gros caillou sur lui. Et je vais rester en occultisme.
En espérant que ça laisse à close l'ouverture de faire les quelques centaines de mètres qui restent pour arriver jusqu'au château, quoi. Enfin, je sais pas si tu dépenses. Reste. Si tu dépenses du sang, le maximum, qui est sur ta fiche, point de sang par tour. Donc Anton, si tu dépenses 4 points de sang et que tu te les mets en force, tu peux même lancer le caillou de là où tu es. Ok, je fais ça alors. Ouais. Ok. T'approches pas plus, t'as raison. Ça sent bon. Tout à fait, ouais. Je ne m'approche pas, tu peux ne pas t'approcher. Alors, est-ce que tu vises le lupin? Oui. Enfin, je veux le toucher pour qu'il se retourne. D'accord. Et je vais perdre mon occultation, j'imagine, quand j'aurai fait ça. Et c'est possible. Donc je m'apprête aussi à la réactiver tout de suite après. Ok. Donc tu vas me faire puisque tu le vises, alors t'as l'appui, t'as la force qui va avec, dextérité plus athlétisme, sachant qu'un seul succès suffit à le toucher. Je vais taper un point de volonté là-dedans alors. Crois d'accord. Toi. Parce que avec 4D, je peur que je fasse sauf, échec critique, ça devrait passer alors. Tu sais, Anton, je vais pas te foutre la pression, mais si tu rates, je meurs. Non, en fait, si je rate, il m'arrive rien. Si je le touche, je risque très fort de mourir. Tu risques. Moi, c'est si tu rates, je suis sûr de mourir. D'accord. Donc ça fait un succès plus un autre de volonté. Tu le touches. Alors, question, c'est un gros caillou que t'as pris, un gros pavé ou Tu peux, hein. Un petit caillou, de toute façon, il le sentira pas. Donc, j'ai pris un gros caillou bien lourd. Ouais, il faut que ce soit gros. L'attachez pas d'un brique de lait ou un truc comme ça. Un truc de la taille d'une tête humaine, qu'en fin de compte. Bah oui, minimum. Tu l'as pris sur le côté. Tu te concentres. Ton sang afflue dans les muscles de ton bras. Tu balances le caillou de toute ta force. Donc t'as fait deux succès. Hein. Il vient donc s'exploser sur lui. 4, 5, 6. Faut que j'encaisse déjà. 1, 2, 3. 3 succès. Tu me fais un jet donc de force. Boosté. Ah oui. Donc c'est ta force plus 4. Tu peux rejeter le 10 si tu veux. Ah bah non, t'as fait un 1, c'est pas de bol. Un succès. Clac. Donc, tu le touches sur sa nuque. Le caillou explose, hein, il s'ouvre en deux. Et tu vois de dos. Il se retourne vers toi et tu entends un et tu me fais un jet d'occultation s'il te plaît pour savoir si t'as perdu ou pas. Ah, c'est pas pour savoir s'il le relance, c'est pour savoir s'il l'a perdu ou pas. Ouais. D'accord. Sachant que si tu fais un super jet, y a moyen de rester invisible. En fait, t'es sur ça dès là que j'aurais dû mettre un. Je vais mettre un volonté aussi sur celui-là. Là, tu peux pas sur le même round, c'est pas possible. Ah, ok. Ah ouais, tant pis pour moi. 1, 8, 9, 10, 6. Ouais. Donc le 1 annule le 10. Et t'as 8, 9 qui est succès, c'est ça? 3 succès. Ça fait 3 succès. Ah oui. Alors, tu n'es pas complètement invisible. Mais vu qu'il y a une trentaine de mètres qui vous séparent, c'est pas au premier coup d'œil qu'on peut te voir, quoi. C'est un peu comme une diffraction d'image de un reflet, t'es un peu vaporeux, fantomatique, t'es pas identifiable tout de suite, quoi. En tout cas, il a tourné la tête vers toi avec un gros grognement. Klaus.
Qu'est-ce que tu fais? Tu vois tes tripes qui pendent, t'as ton épée, le lupin qui te regarde pas, il est à quelques mètres de toi. Je vois qu'il est à fond la forme. Sa peau a l'air ultra résistante. Il vient de me mettre un coup qui a failli. Il aurait pu tuer trois humains en un coup. Non, je vais pas. Je suis courageux, mais pas inconscient. Je j'avale ma fierté et je me mets à courir comme j'ai jamais couru, quoi. Tu cours en direction du domaine Savrovitch, même la même direction que les chevaux. D'ailleurs, les mecs, ils ont dû arriver les chevaux. Il est où, Klaus? Alors, Dex plus athlétisme pour courir, sachant que t'as moins 2 dés. Donc ça fait 3. Mais question bête, hein. Oui. J'ai vigueur 4. Est-ce que ça peut jouer ou pas du coup? Alors, la vigueur, c'est pour encaisser les coups contondants ou les coups létaux, mais pas les dégâts aggravés. Ok, d'accord. Pas faire de demander, hein, vu que. Mais donc, c'est ça. Donc, dextérité. Un petit flashback sur une des paroles d'Eric qui t'a dit une nuit. Tu peux te rendre plus fort, plus rapide et plus résistant si tu concentres ton sang. En gros, si tu dépenses des points de sang, tu peux augmenter tes caractéristiques physiques. Ouais, je vais augmenter peut-être ma respiration pour... Bah non, c'est juste mes jambes, juste la force de mes jambes. La dextérité. La dextérité, ouais. Voilà, tu peux dépenser 3 points de sang. Pour augmenter ça te donne plus 3 en dex. Un point de sang pour un point, c'est ça? Ah ouais. Donc là, tu point peux... de sang, ça se régénère en buvant du sang. Donc ouais, allez, en jouant craquer 3, allez. Donc ça te fait 8 dés au total. Moins 2, du coup, non? 8, 7, 6, ouais, c'est ça. 6 dés. Donc, 10, 10. Un, deux, trois succès. Tu cours. De ta main gauche, tu tiens tes entrailles. De l'autre, tu as ton épée. Tu cours. T'as ta vision qui... Je regarde pas en arrière. Je fixe l'horizon et j'essaye de voir le château. C'est tout ce qui m'importe. T'as ta vision qui se rétrécit un peu. Tu t'entends, tu vois tes chevaux. Tu vois la silhouette du château Saprovitch. Tu passes les portes, t'arrives dans la cour, tu mets un genou à terre, Et je m'écroule, hein. Tu t'écroules, t'entends du mouvement autour de toi, t'entends des cloches. Ling, ling, ling. Tremblementaire. Et ouais, t'as comme des acouphènes en fin de compte, hein, ce genre de choses. Ah bah j'ai plus le contrôle, là je me laisse, j'arrive dans la cour, et je m'allonge et puis je pense que je perds connaissance, quoi, si je peux perdre connaissance. Je vais demander à notre cher Nosferatu de me décrire comment compte-t-il se sortir de ce guépier-là. Donc tu es à 30 mètres de lui, il est fixé sur ta direction, t'as Klaus qui est parti, tu sais que tu es pas complètement invisible, tu es translucide, je t'écoute. Je vais changer de position, je vais mettre en mouvement, et je vais essayer de rester le plus discret possible, de manière à ce qu'il ne me repère pas. Refais-moi un jet pour l'occultation. Ouais. Et tu peux éventuellement dépenser aussi un point de volonté si tu le souhaites. Oui. Oui. D'accord. Si plus 1, ça fait 3. Non, 2. Bah, le 1. Ah oui, 2. 2 succès. Ok. Alors. Ah,
Mais c'est quoi ce loup-garou, quoi? Tu changes de position. Tu t'enfonces dans les forêts. Tu fais des zigzags entre les arbres. Tu marches doucement, tu fais vraiment gaffe. Tu poses tes pieds. Tu vois sa silhouette qui se rapproche. Tu l'entends. Et il commence à suivre ta piste. Est-ce que tu accélères ou est-ce que tu continues de progresser à cette vitesse-là? Quelle vitesse est-ce que suit ma piste? Ah, c'est un peu saccadé. Il fait quelques pas, il renifle l'air, il renifle le sol, il avance dans la mauvaise direction, ensuite il reprend la bonne. Je change de direction et je regarde s'il arrive à me repérer assez vite ou... Enfin, oui, enfin, si je suis... Il a un peu de retard. T'as un petit coup d'avance sur lui. Il y a un gros rocher. Je vais continuer comme ça. Et... Non, je peux pas... Je vais continuer comme ça, lentement. Là, tac. Oh, un maximum. Tu t'adosses à un arbre. Tu vois qu'il se rapproche, tu continues, tu fais le tour du rocher. Quand tu fais le tour du rocher, tu vois, t'es au pied des remparts du château Saprovitch. Et tu vois 3-4 archers qui sont arc presque bandés, avec le bout des flèches, avec du tissu, une torchère à côté d'eux. Ils sont en train de regarder, ils t'ont pas vu. Et t'entends plus la cloche, mais il y a un petit tintement, en fin de compte, il y a de l'agitation à l'intérieur. Ok, est-ce que je pourrais éventuellement grimper le mur? Tu prends conscience que t'as toujours le sang qui pulse dans tes veines. Tu commences ton ascension. Il n'y a pas beaucoup de prise. Tes doigts font... crée carrément des accroches, quoi. Tes doigts arrivent à faire des petites fissures et tu montes à la force de tes doigts. Ouais, j'avoue, j'ai pas osé lui dire, mais faudrait qu'il passe à faire une manucure. T'arrives en haut des remparts du château Saprovitch. Tu remarques qu'il y a effectivement des quelques hommes d'armes. Tu sens qu'on t'observe. Juste à ta gauche, tu te retournes. Bien sûr, c'est les remparts. Tu vois la silhouette du loup qui te fixe. Il est tapis dans l'ombre. Les gardes le voient pas. Toi, tu le vois. Lui te voit. Et il se lèche les babines. Et il commence à se reculer. Je le regarde avec un air de défi dans le visage. Fais gaffe, il faut qu'un mec a fait ça, ça s'est mal terminé pour lui. Oui, il était parti des remparts. Je sais pas qui a fait ça, mais... Je lui dirais de pas le refaire. Il était un peu impudent, c'est sûr. Ouais, j'avoue, il était un peu con. Et c'est là-dessus que la partie se termine.